Salut tout le monde, c'est Démoniax pour la chaîne de Demo Choose et aujourd'hui on se retrouve pour du pack opening sur Harry Potter. Donc sur Harry Potter, je crois qu'il manque une vingtaine de cartes, je pense. Attendez, je vais vous dire, je les ai notées. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18. 19, désolé parce qu'il y avait une ligne où il y en avait 8 et l'autre 7. Donc il me manque 19, dont 2 limités. Donc là j'ai pris des paquets, vous voyez il y a écrit 4 pochettes et une carte édition limitée. Donc j'ai pris 2 boîtes comme ça. Donc là je vais enlever les paquets, je vais les préouvrir après. On va juste regarder la carte limitée. Mais la carte limitée c'est... comme par hasard Vanishing Cabinet, donc c'est la carte 6. Ouh, c'était une limitée que j'avais pas, donc c'est quand il rentre dans la cabine pour se téléporter. Parfait, ça fait une carte de plus, yes. Donc ça c'est bon, on jette ça en mode YOLO, on s'en fout. Donc, hop, hop, hop. Attention, je vous montre ça maintenant. Oh, on a eu deux fois la même. C'est encore le Vanishing Cabinet. Donc la limitée 6 sur 9. On devait avoir la 9, on a eu deux fois la 6. Dommage. J'aurais bien aimé avoir la 9. Bon, au moins, ça nous fait une nouvelle carte. C'est déjà un bon début. On n'a même pas commencé à ouvrir qu'on a déjà une nouvelle carte. C'est vraiment top du top. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pré-ouvrir les paquets. Comme ça, j'ai plus qu'à aller sortir les cartes dedans et puis commencer à déballer. Puis c'est parti. Donc voilà, j'ai pré-ouvert tous mes paquets. Donc on peut commencer. Donc, premier paquet, nous avons Petit Neville le long du bas dans le film 7. McGonagall dans le film 7. C'est dans quel film celui-là? Terry de la demeure des Weasley. Ah, c'est la maison des Weasley. Ok, parce que je voyais pas trop, vu que la carte elle est sombre, j'avais pas vu que c'était la maison des Weasley. Pas mal, pas mal. Je crois pas que je l'ai celle-là, ça me dit rien. Donc peut-être une nouvelle carte. Non, on va regarder maintenant. 138. Oh, la 138, je l'avais pas. Harry et Hermione, celle-là je l'ai. Rogue et la petite team, je crois que ça c'est Prisonnier d'Azkaban où ils se battent contre Sirius Black. Ou c'est l'autre, le loup-garou. Et Folleuil en rare. Folleuil, je l'ai eu plusieurs fois je crois. Ça me dit quelque chose. Alors, deuxième paquet. Je vais rouvrir les paquets. Alors. Mince. Deux secondes, je vais ouvrir ça. Hop. Donc, on a Hermione. 39. Je l'ai déjà. Ok. Harry. Et la sœur de Ron, comment elle s'appelle déjà? Oh lolo! Pourquoi j'ai un doute? Bon bref. Faut de ma gueule. C'est encore elle. Et je sais toujours pas son prénom. D'une carte à l'autre, je veux pas savoir. Ah voilà, Ginny. Écrit derrière. Je suis vraiment con. J'ai juste à retourner la carte et puis c'est réglé. J'ai pris. C'est abusé comment je suis con. Bref. Ginny Weasley. Est-ce que celle-là je l'ai? Yes. L'affiche du film de... Du prisonnier d'Azkaban. Je crois que j'ai toutes les affiches de film. Je me rappelle plus. Bref.
les maisons de Poudlard, donc avec Gryffondor, Serre d'Aigle, Serpentard et Poufsouffle. Voilà, 7 où je l'ai. Et en dernier, le basilic. Donc c'est la 46. Vous voyez, on voit à travers là le basilic. Ouf. Celle-là, je l'ai eu, mais je vous dis pas, hein, trop de fois. Je crois que je l'ai eu au moins 4-5 fois, hein, c'est abusé. Alors, oh, tiens, voilà quelqu'un, petit ours, on l'a vu il y a 3 secondes, Hermione. Ron, 156, oui, je l'ai déjà. C'était pourquoi ça? T'as plus un filtre d'amour qui rend celui qui le voit éperdument amoureux de celui qui le voit. Ron en est fou. Pour Romilda Van. Ok. Je me rappelle plus pourquoi il y avait cette image. Petit amoureux de Romilda. Foley. Celle-là, je suis sûr de l'avoir. Ouais, 86, je l'ai. Malfoy et Rogue. Ah, je n'ai pas de nez. C'est Krilin. Voldemort. 97. Ouh, à deux près, j'avais une carte nouvelle. Ouh, le griffon. Comment il s'appelait déjà? Bucky. Bucky, le griffon. La 64. Je crois que je l'ai déjà. Ouais. Mais je la trouve jolie, cette carte. En noir et blanc avec le petit soleil en jaune derrière. Franchement, elle est pas dégueu, celle-là. Alors, franchement, les cartes Harry Potter, ils font exprès. Parce que là, j'ai vu les deux dernières cartes brillantes. Donc, moi, je me spoil, mais je vous spoil pas. C'est limpe. Donc, ah, Krilin. Voldemort. Numéro 185. Ouh, manque les suivantes. Bah, Harry avec... c'était qui, le basilisque? Ouais, c'était le basilic ça. Ouais, c'est ça. 53, je l'ai. C'est la 52 que j'ai pas. Harry et Edwige dans le premier film. Harry et Neville qui apprennent à combattre. C'est dans l'Ordre du Phénix, je crois. On va regarder. Order, ouais, c'est ça. 123, je l'ai déjà. Donc là, c'est Dumbledore qui se prend un sort dans la face. Ou qui met un sort, je sais pas. Non, c'est lui qui le met, le sort. 113. Et le retour de Neville qui combat. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors... Non mais ils se foutent de... Désolé, je me suis fait spoil parce que j'ai remis les cartes comme d'habitude. Mais ils se foutent de moi. Vous allez voir. Donc Harry, ça c'était... La coupe de feu ou c'est... Ah non. Ok. Là vous voyez les reliques de la mort. Grosse pute. Il n'y a pas d'autre mot. Grosse pute. j'ai oublié son nom tellement me foulaine cette vieille meuf là. J'ai envie de la tuer. Arsène Lupin. Gandalf. Oups, pardon, je me suis trompé de film. Oui, je pue la merde dans le jeu de mots, désolé. Dumbledore. Ouh. On a l'araignée d'Hagrid. Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle déjà? On retourne. Aragog. Oh. La 37. Oh, je l'ai déjà, merde.
Et vous êtes prêts pour le foutage de gueule? 3, 2, 1, c'est parti! Si ça c'est pas du foutage de gueule, encore un Neville en débat. Dis donc, soit il y a un message subliminal, soit j'ai pas compris, hein. Parce que je veux bien l'avoir une fois, ok, deux fois un peu trop, trois fois, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a boîte le Neville Longbottom avec Hermione et Ron. Vous allez rager, là il y a un serpent en bas. Je ne sais pas. Que du Ron et Hermione et Harry à travers un passage secret qui relie Poudlard à la tête sanglée. Sanglée, l'auberge d'Alphonse. Wesh, mais c'est de quel film celui-là? Je vous laisse lire. Je vous laisse plus lire. Il y a un serpent. Chambre des secrets. Ah non, ça a l'air trop grand pour la chambre des secrets. Quoique. Là non. Oh, je sais pas. McGonagall. On a un petit dragon de feu. Et là, comme vous voyez, c'est l'ordre du phénix. Je crois qu'il m'aime trop, lui. Encore un Neville Longbottom. Ça, c'est dans les premiers films. D'accord. Ah non, c'est dans l'ordre du phénix, ok. Toujours sa tête de con. Le patronus de Harry. Ça, c'est le prisonnier d'Azkaban. Et tut-tut! Harry et Ron qui prennent la voiture pour aller à Poudlard, c'était dans la chambre des secrets, ça. Ouais, 33. Pour l'instant, on a eu une nouvelle carte. Deux avec l'édition limitée, je l'avais oublié. Après, si ça se trouve, j'en ai d'autres, mais j'avais pas vu, hein. Alors, ça c'est les routes dans le 3. C'est le. Allez, on est! C'est ça, non? Ah non, c'est la chambre des secrets. Merde. C'est le chemin de traverse. Ok, moi je croyais que c'était. Vous voyez quand il prend le bus dans le 3 et qu'il roule comme un malade dans les routes. Il s'arrête quand il y a la grand-mère. J'ai cru que c'était ça. 30, je l'ai déjà. Oh, mais arrêtez de mettre des à l'endroit, à l'envers. Ok, je vois qui c'est ça, mais qui c'est ça? Arsène Lupin et Nymphadora. Ils font tous les deux partie de l'ordre du Phénix. Ok, bah j'ai oublié, frère. 147, je l'ai apparemment. Bon, bah Ron et Hermione à l'école des sorciers. Oh, ma famille! C'est la team roux. C'est dans l'ordre du phénix, ça, non? Ouais, c'est ça. Ah, Oh non. Malfoy et son père, là. Il est débilos mentalos. Et on finit par The Best. Hermione Granger. Je sais, je le dis mal. La 41. Oh non, à deux près, j'avais encore une nouvelle. Et on arrive au dernier paquet. Alors, on a les trois mousquetaires. Ça, c'était quand ils cherchaient les reliques. Ouais, c'est ça. Désolé, moi et Harry Potter, on se connaît pas trop. Hein. Surtout moi. D'habitude, c'est Maui ou Choose qui se connaissent un peu plus. Peut-être même Arsenic. Moi, j'avoue que Harry Potter, j'ai vu une fois chaque film et puis sans plus quoi. Ah, ok, non, en fait, je crois que ça, c'est la deuxième partie. C'est les reliques de la mort, partie 2. Parce que regardez, il y a toute la Mifa là. Hein. Wingardium Leviosa. Non, on dit Wingardium Leviosa. Casse les couilles. Même si quand j'étais petit, j'avoue, j'étais fan de Hermione au point de vouloir sortir avec elle.
Mais je crois que j'étais pas seul. Dites-moi dans les commentaires si j'étais le seul, mais je pense pas. Oh, le sol cogneur. Oh, lui, je l'avais déjà. Avis contre le basilic. Et la dernière. Comme par hasard, elle est à l'envers. Hop. Oh, c'est le Poudlard Express. Numéro 5. Bon, oh, je l'avais déjà. Mince. Tut tut. Donc voilà, vidéo terminée. En nouvelle carte, je sais pas ce qu'on a eu. Au pire, ce qu'on fait, c'est que je regarde les cartes, je vois si je les ai ou pas, et puis on se retrouve. Bon, finalement, en fait, je me suis retrouvé avec 4 nouvelles cartes. Donc, Harry et son sac. Ah. Merci. Harry et Hermione qui parlent à travers un mur. La maison des Weasley et la carte en édition limitée de la cabane. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine.